Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour ce 11e récap de Marvel News, donc je vous fais le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine. C'est parti. Alors on commence avec Black Widow, avec quelques photos de scènes coupées qui ont été dévoilées. Une où apparemment elle va se faire arrêter par le général Ross, ça va être assez cool à voir. Et évidemment d'autres un peu en vrac. D'ailleurs Black Widow est maintenant disponible en achat digital. Ensuite on passe à Shang-Chi. Avec le maître d'arts martiaux Andy Lee qui a confirmé qu'il jouerait le personnage de Death Dealer. On a aussi eu un nouvel album du film qui est sorti, album de musique. Puis on a eu un nouveau poster aussi pour le film que je vais vous afficher tout de suite. D'ailleurs le film ferait apparemment 2h12 au total. Bon, ça me semble assez crédible, on verra si c'est vrai. Ensuite on a eu un nouveau trailer qui donne un nouvel aperçu de l'Abomination. Perso, je préférais son design, l'incroyable Hulk, même si celui-là est plus proche des comics. Après, on a eu des extraits pour Shang-Chi. Il y a eu l'avant-première aussi à Los Angeles. Et qu'il y a une fille qui l'a dit que le mandarin serait pas vraiment méchant. Ce serait une histoire entre Shang-Chi, tant que père et fils, avec des problèmes, etc. Et que Simu Liu était parfait pour le rôle. Ensuite, on passe à Hawkeye. Alors, Marvel a lancé un petit compte à rebours pour le lancement de la série. Et toujours pas de Miss Marvel, donc en vrai, ça commence à craindre un petit peu. Ensuite, il y a eu Hayley Steinfeld qui interprète Kate Bishop qui a dit qu'il y avait des reshoots pour le film. Enfin, suggéré plutôt. Ensuite, on passe à Moon Knight. Alors, déjà, il y a eu un leak du costume et un concept art, mais je vais pas vous les montrer, bien sûr. J'ai pas le droit. Mais vous pouvez aller vérifier si vous voulez. On a aussi une petite image là du tournage où on le voit en costume. D'ailleurs, Ethan Hawke qui joue dans la série a dit que c'était la série avec les meilleurs designs qu'il ait jamais vu. Et que c'est Oscar Isaac qui lui a proposé le rôle en allant prendre un café. Ensuite on passe à She-Hulk avec Ginger Gonzalez qui va jouer dans la série. Elle a parlé de Tatiana Maslany qui va jouer évidemment She-Hulk. Elle a dit que personne pourrait jouer le personnage aussi bien qu'elle et qu'elle a hâte que nous, public, on la voit à l'action et casser des trucs et tout. Bon bah c'est cool. D'ailleurs la production de la série se termine cette semaine apparemment. Ensuite on passe à la série Echo avec la production qui recherche deux actrices. Jusqu'à février 2022, ce qui pourrait confirmer du coup le début du tournage que j'avais dit dans une autre rumeur. Après pour Armor Wars, sur IMDb, il y a un assistant qui est noté pour Sam Rockwell, qui interprète Justin Hammer. Du coup il serait peut-être de retour, ça fait plaisir. La dernière fois qu'on l'a vu c'était dans le one-shot d'ailleurs, All Hail the King. D'ailleurs un truc d'actionnaire de Disney, ils ont parlé de prochaine série Marvel, ils ont parlé de Hawkeye, pas de Miss Marvel, donc en vrai ça commence à craindre un petit peu pour le report. Ensuite on passe à The Marvels, donc Captain Marvel 2, hein, avec des rumeurs comme quoi des personnages d'Agents of S.H.I.E.L.D. pourraient revenir dans le film. Alors déjà il y avait déjà eu d'autres rumeurs pour Secret Invasion pour les personnages d'Agents of S.H.I.E.L.D. qui étaient très élevés et assez fiables. Sans compter Kevin Feige a déjà teasé que des personnages reviendraient d'Agents of S.H.I.E.L.D. hein, qui est toujours canon, je suis obligé de le redire à chaque fois. Évidemment ceux qui ont vu la fin de la série vous savez comment ça pourrait rejoindre les intrigues, surtout Secret Invasion et The Marvels en particulier. Donc bon j'espère. Et il y a aussi apparemment Jude Law qui a interprété Yon Rogg dans Captain Marvel 1 qui aurait rejoint le casting apparemment. Et aussi l'acteur Shamir Anderson, alors lui pour un rôle inconnu du coup. Mais ce sera cool de revoir Yon Rogg a priori. D'ailleurs Brie Larson a annoncé que le tournage avait commencé le 10 août. Et elle a parlé de Nia DaCosta, la réalisatrice, en disant qu'elle avait donné le meilleur speech possible pour le film. C'est cool. Et que le film va être très bon bien sûr. D'ailleurs Samuel L. Jackson a confirmé lui aussi qu'il serait au casting de The Marvels. Il a même montré une photo là, de son déguisement là, pour qu'il allait commencer à tourner quoi. Alors c'est un peu chelou qu'il soit dans le film parce que bon, les tournages de Secret Invasion et The Marvels vont se faire quasiment en même temps, donc où est-ce qu'il va avoir le temps vu que dans Secret Invasion c'est censé être le rôle principal a priori. Alors ensuite on passe à Secret Invasion avec là peut-être des spoilers potentiels, voire assez élevés. Donc si jamais vous ne voulez vraiment pas être spoilé, je vous conseille peut-être de passer le moment où je parle de Secret Invasion, il y a le timecode. Vous êtes prêts? En fait, il y a des assistants, des chauffeurs qui ont été ajoutés sur IMDb qui seraient apparemment pour des membres du casting, à savoir Tom Hiddleston, Loki, Anthony Mackie, le Faucon, Captain America, Jonathan Majors qui joue Kang, Iman Vellani qui va jouer Miss Marvel, Michael B. Jordan qui jouait Killmonger, et évidemment le meilleur, Clark Gregg, l'agent Coulson bien sûr. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Bah, beaucoup de personnages plutôt inattendu qui pourrait être dans Secret Invasion. Après, bon, vu qu'il y a les Skrulls, etc., ça peut être facile que ceux-ci reprennent juste la forme. Mais quand même. Surtout avec toutes les rumeurs que c'est un personnage d'Agent of S.H.I.E.L.D. reviendrait, Clark Gregg est en Agent Coulson, j'y crois fortement. Après, je vois pas trop ce que Loki viendrait faire dans l'histoire, etc., mais bon, on verra.
D'ailleurs, une news qui rejoint ça, c'est Chloé Bennett qui joue Quake dans le MCU, dans Agents of Shield. Elle devait faire une série The Powerpuff Girls, bref, c'était une série quoi. Et elle a bizarrement quitté vite fait la série, alors qu'elle avait déjà tourné plein de pilotes et tout, à cause de problèmes d'emploi du temps, de planning. Et qu'est-ce qui va commencer quasiment en même temps que cette série? Et bah, Secret Invasion. Avouez que c'est un peu bizarre. Surtout que le fait qu'il y ait probablement Coulson dans la série, plus le fait qu'il y a eu plein de rumeurs déjà sur elle bien avant ça, hein, qu'elle soit dans Secret Invasion, plus Kevin Feige qui avait dit que les personnages d'Agents of Shield reviendraient, il l'a dit, hein, les gens ils ont beau toujours forcer pour dire c'est pas canon, Kevin Feige a dit que c'était la même continuité, et a dit il y a pas longtemps, en 2021, que les persos reviendraient. Hein. Donc voilà, bon, on croise les doigts évidemment pour que ce soit ça, hein, c'est pas sûr à 100%, mais je vous dis que la conscience est quand même assez troublante. Aussi pour Ant-Man and the Wasp, Quantumania, on a eu aussi apparemment cette image, qui sera apparemment du tournage, leakée, voilà. Sans doute un appareil pour le monde quantique, j'imagine. D'ailleurs, Jonathan Majors qui joue Kang est arrivé sur le tournage. Ensuite, on passe à Thor Love and Thunder avec Idris Elba qui joue Heimdall, qui a parlé un petit peu de son possible retour un jour, en disant qu'il pense que les contraintes du genre super-héroïque sont inexistantes et que du coup, un retour serait possible pour Heimdall. Alors personnellement, j'espère pas, ça gâcherait son sacrifice, et en vrai, il n'y a pas tant de héros que ça, surtout chez Marvel, qui reviennent à la vie, à part surtout l'agent Coulson et Vision, il n'y aura pas d'autres. Ensuite, on a des photos des coulisses avec Chris Hemsworth, et le réalisateur Taika Waititi a dit qu'il voulait faire ce que personne ne voulait qu'il se passe dans un film Thor, une histoire d'amour pour Thor 4. Alors déjà, non, l'amour était déjà présent en Thor 1 et c'était plutôt bien fait, mais oui, je confirme, c'est pas ce qu'on veut voir en priorité pour un film Thor, on veut un peu d'épique, un peu de mythologique, enfin personnellement en tout cas, parce que moi Ragnarok était une des pires déceptions que j'ai eu de ma vie, donc quand même. Enfin voilà, ce film, bon, j'irai le voir, mais pff, je l'attends mais tellement pas, c'est ouf. Ensuite, on passe au Gardien de la Galaxie Volume 3 avec James Gunn qui a encore parlé du film. Il a dit qu'il avait changé pas mal de trucs dans le script au fur et à mesure, qu'il en avait fait des centaines, etc. Mais que c'était pas à cause de Marvel les problèmes qu'il y a eu, mais que c'était vraiment juste lui pour améliorer le script. Donc bon, ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, il a aussi retisé des morts en parlant d'ailleurs de The Suicide Squad, qui est son nouveau film, en disant qu'il avait tué beaucoup de monde dans le film, que c'était facile, etc. Que dans Les Gardiens, il avait tué que Yondu et Groot pour l'instant. Ça veut dire que. Apparemment, d'autres gardiens pourraient mourir dans le troisième film, comme beaucoup de rumeurs d'ailleurs le disaient, et en plus ce sera son dernier film Gardien de la Galaxie, je rappelle, hein. Donc c'est possible. Ensuite, on passe un peu à What If. Alors le réalisateur de la série a dit qu'il aimerait beaucoup qu'il y ait un film sur Captain Carter, ça pourrait être cool et tout, l'avoir défoncé des trucs. Alors en soi, moi je suis pas contre, mais déjà qu'on finisse son histoire dans la saison 3 d'Agent Carter, qui est toujours canon, je rappelle, hein, obligé de le redire. Voilà quoi, c'est beaucoup plus urgent de faire une saison 3 d'Agent Carter qu'un film Captain Carter, mais bon. Il a aussi dit, le réalisateur, qu'il avait hâte qu'on voit l'épisode 5 et 7 de la saison 1, car c'était les meilleurs. Bon bah, tant mieux. Et justement, en parlant des épisodes, on sait à peu près ce qui va se passer, je vous l'ai dit tous. Ça contient peut-être un peu de spoil, hein, donc si vous voulez, vous pouvez passer un petit peu de 10 secondes. Hein. Donc le deuxième épisode, ce sera, je vous dis dans l'ordre, hein, ce sera sur T'Challa Star-Lord, puis sur le comics Fury Bigs Week et l'invasion de Loki sur la Terre, puis Doctor Strange vs Doctor Strange Supreme, puis Party Thor, puis Killmonger au Wakanda vs apparemment Tony Stark, c'est ça que le leak dit, puis les zombies, puis Stark sur Sakaar qui se fait traquer par Gamora en mode Thanos, fit Thanos, puis le dernier épisode ce serait Ultron fusionné à Vision avec toutes les pierres de l'infini contre les gardiens du multivers, en gros c'est une espèce de gardien de la galaxie, mais avec tous les héros de What If. Voilà. Aussi autre truc qui rejoint ce que j'avais dit, c'est Marvel donc qui va se concentrer beaucoup plus sur l'animation. Aussi, bon, pour la série, on a eu des icônes pour Disney+, un nouveau hashtag, des images. Aussi, le réalisateur a parlé de l'absence de Dave Bautista en Drax, car il ne le double pas en version originale. Il a dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé avec les agents, etc., s'il y a des problèmes avec lui et Marvel. Moi, je pense que oui, parce que Dave Bautista a déjà dit plein de fois qu'il détestait ce qu'il faisait du personnage de Drax, que c'était évidemment un mec drôle, alors que Drax n'a jamais été drôle. Voilà, quoi. Donc j'ai un peu peur qu'après Gardien de la Galaxie 3, Drax il s'en aille. Hein. Aussi, on a eu un nouveau poster pour T'Challa, et d'ailleurs on sait qu'il y a 281 000 foyers qui ont regardé le premier épisode. Pour WandaVision, il y a eu une nouvelle image des coulisses, voilà, sympa. Ensuite, on passe à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il y a le scénariste Michael Waldron qui a parlé du film. Il a dit que le film était une course de sensations folles, et avec du cœur, comme on peut attendre d'un film de super-héros de Sam Raimi, comme avec les Spider-Man. Il a aussi dit que Sam Raimi était un génie, la façon dont il utilise la caméra, etc., qu'il n'hésite pas à prendre des risques. Et il a dit qu'il pense que ça allait être une expérience vraiment cool, excitante pour tout le monde.
Il a aussi parlé un peu de Doctor Strange en disant comment approfondir Stephen Strange, car il a traversé beaucoup de choses entre après surtout Infinity War, Endgame et tout, et comment ces événements ça peut affecter quelqu'un d'aussi puissant que lui. Il y a aussi Danny Elfman qui va composer la musique, qui avait évidemment travaillé avec Sam Raimi, oui, sur les Spider-Man, qui a dit qu'il était super content de refaire équipe avec lui. Et on a eu aussi des détails sur Wanda et sa place dans l'histoire. Déjà, elle aura plus de contrôle sur ses pouvoirs grâce au Darkhold. Après, bon, quand on a vu Agent of S.H.I.E.L.D. et Runaways, hein, on sait que le Darkhold peut corrompre très facilement, donc je pense que ça va jouer un rôle dans l'histoire. Et ils ont dit qu'après Loki et tous les événements à la fin, son rôle de Nexus sera très important et que personne ne sait si du coup elle est ennemie avec Doctor Strange ou pas. On verra ça dans le film. D'ailleurs, Benedict Cumberbatch a dit que Sam Raimi était le maître du genre et que sa présence, son amitié, sa mise en scène, tout, c'était super cool, c'était splendide. Il a dit que le film serait vraiment fou. Et pour Spider-Man No Way Home, alors on a aussi eu cette image qui apparemment pareil, serait leakée peut-être des reshoots du film. Et apparemment, ce serait la maison de Flash Thompson. Alors bon, à voir, peut-être c'est juste pour une scène, mais je vois pas comment il pourrait un peu s'attarder sur des personnages comme Flash qui sont assez tertiaires, surtout vu l'intrigue énorme qu'il est censé y avoir. Toujours avec Spider-Man, il y a aussi des supposés leaks, hein, je dis bien, alors prenez pas ça à 100%, hein, c'est peut-être faux, mais je vous le dis quand même au cas où. Apparemment, Electro aura donc une veste verte et il sera jaune au lieu d'être bleu, c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs Jamie Foxx, hein. Et ses pouvoirs donc seront jaunes aussi. Pour Octopus, apparemment, il aura toujours le même design que dans ceux de Sam Raimi, avec juste 2-3 modifications, parce que voilà. Et apparemment, par contre, le bouffon vert sera assez changé, car Kevin Feige détesterait son design, même si c'est pas Kevin Feige qui gère le film. C'est pour ça que le leak, je le prends à moitié. Et apparemment, il voudrait lui donner un aspect plus proche des comics, avec plus de vert et violet, mais il aurait toujours un aspect un peu blindé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. D'ailleurs, William Dafoe a été encore interrogé sur les rumeurs là, de Spider-Man, pour savoir s'il revient en bouffon vert. Et il a tout simplement répondu, quand un film sort, c'est à ce moment-là d'en parler. Donc bon, moi personnellement, encore une fois, hein, il avait déjà dit d'autres fois, dans d'autres interviews, qu'il y avait un film qu'il avait tourné cette année, qu'il n'avait pas le droit de parler, à part quand ça sortira. Bon, ça sent bon, on va pas se mentir. D'ailleurs, en Inde, le trailer de Spider-Man et tout serait actuellement en train d'être doublé. Donc ça devrait plus tarder, évidemment. D'ailleurs, on a eu une confirmation que le dernier aura un trailer au CinemaCon, je vous en ai déjà parlé dans un autre récap. Sauf que ce sera diffusé qu'à un public, donc ce sera pas mis en ligne. On espère qu'il y aura des mecs qui vont faire leaker du coup. Plus après, ça devrait sortir pas longtemps après, peut-être pour accompagner Shang-Chi, du coup, je suppose. Ensuite, on passe vite fait à Morbius avec le réalisateur qui a peut-être teasé un caméo de Venom dans son film. Enfin, je rappelle, Morbius et Venom se passent dans le même univers, qui rejoindront peut-être un jour le MCU, mais bon, on verra ça se passera. Car en effet, le réalisateur a dit que c'était super cool quand il est arrivé, de pouvoir parler avec des acteurs connus comme Michael Keaton qui rejoue le Vautour, Jared Leto qui va évidemment jouer Morbius, et il a dit aussi Tom Hardy qui joue évidemment Venom. Du coup, bah, c'est un peu étonnant, et bah, pourquoi pas après tout, un petit caméo de Venom, ça pourrait lier leur univers, ça pourrait être cool. Ensuite, on passe un peu à Venom 2, avec Tom Hardy qui a parlé qu'il y aurait un troisième film sans doute, que Sony attend de voir les résultats évidemment du 2 avant, mais qui sont déjà super satisfaits et tout, et que franchement c'est qu'une question de temps. Il a ensuite parlé de son crossover avec Spider-Man du MCU, disant que si Marvel et Disney étaient ok, bah tant mieux, et qu'il ferait tout pour que ça arrive. Alors moi personnellement, je n'en ai absolument rien à faire, je déteste ces deux versions du personnage qui sont les plus éloignées possibles de ce qu'ils sont censés être, donc personnellement ça me fait rien. On a aussi eu deux nouveaux posters pour le film. Ensuite on parle un peu de bonus, avec déjà on a appris qu'apparemment Dwayne Johnson et Kevin Feige étaient souvent en contact, qu'ils s'aimaient beaucoup et tout, et il y avait un respect mutuel et tout, et qu'ils auraient déjà parlé un petit peu comme ça de possibles idées pour qu'ils soient dans le MCU, mais bon, rien de concret. Aussi, Hugh Jackman a reparlé un peu de son retour de Wolverine, disant qu'il n'avait aucun mail de Kevin Feige et qu'il pensait que c'était fini, quoi. Même si, bon, moi je dis toujours, il y a toujours un espoir, il avait déjà dit que si c'était dans le MCU, il reviendrait pour affronter Hulk encore plus, donc voilà. En plus, s'il voulait faire un film, je me rappelle, Deadpool 3 devait être avec Wolverine. Bon, il dit non, mais moi je dis toujours moyen d'espérer. Ensuite, ils ont parlé aussi un peu des séries animées donc qu'il y aura dans la suite chez Marvel, disant que ça n'arrive pas avant au moins 2023 vu le planning chargé et tout. Ils disent que ce seront évidemment des idées originales qui s'inspireront des personnages déjà parus en live action, et aussi du matériel inutilisé, genre j'imagine des scripts alternatifs ou quoi pour les films. Et ils ont dit aussi que pour l'animation, ils travailleraient sans doute avec Pixar ou Disney Animation. Voilà. D'ailleurs, on veut parler d'Iron Fist, déjà le mec des chorégraphies,
de la saison 1 a dit que Finn Jones refusait de s'entraîner et que c'était pour ça que Jessica Henwick, qui jouait Colleen Wing, se débrouillait mieux. Alors j'ai vu certains dire, voilà, Marvel du coup va jamais rappeler l'acteur. Ouais, mais si. Parce que dans la saison 2, il était très impliqué et la saison 1 avait des problèmes de timing. Donc ça veut rien dire et je pense que Finn Jones reviendra un moment. Et enfin, autre petit bonus, c'est Elizabeth Henstridge qui joue Gemma Simmons dans le MCU, qui s'est installée à Atlanta, là où il y a beaucoup de tournages. Et, quand quelqu'un lui a demandé si c'était pour du coup un truc du MCU, elle a répondu un petit smiley un peu en mode gêné et tout. Donc peut-être qu'elle tease un retour, c'est possible. Hein. Il y avait déjà eu des rumeurs sur elle qu'elle soit dans Spider-Man. Bon, évidemment, Secret Invasion, ça serait plutôt logique vu les persos qu'on va y retrouver. Enfin voilà, c'est cool quoi. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 11e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à partager, commenter, liker, vous abonner. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!